Retenons Sébastien, mais j'ai du 83 260, alors nous nous retrouvons, ben, vu que j'ai acheté une très très belle voiture. Vous verrez pourquoi ce garage ne sort pas là, il s'ouvre. Merci. Alors je vais vous montrer la caisse, comment est-ce qu'il faut la réparer, etc. Vous verrez un petit peu tout ça. Alors, cette épave, il faudrait un petit peu qu'il se bouge un petit peu parce qu'il parle trop. Alors, je suis à l'intérieur. Ouvrir le capot, ouais. Alors voilà, réparer, 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 c'est où? Réparer, vendre, non, peinture, plaque. Alors, c'est tout en haut pour réparer. Transformation. La transformation, non, je n'ai pas assez. C'est 42 000, c'est 420 000. Voilà. Donc, les gens, pour réparer cette voiture, il faut 420 000 dollars pour avoir la couleur métallisée et la voiture toute neuve, ainsi que probablement plus tard, quand j'aurai assez d'argent, je ferai la totalité des véhicules que je vais vous montrer dans mon garage. Bien entendu, on va quitter ce garage là. Et puis ben voilà à quoi elle ressemblera à peu près, ma voiture. Celle de Evoque NTS, elle est juste à ma gauche. Et je la trouve très très stylée. Il s'est gavé. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, mec. Je vais vite montrer à l'appart à 400 000. Ouais, on peut ouvrir à l'arrière. Le seul problème, c'est comment, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on ouvre à l'arrière? Ouais, vas-y. Ah ouais, pas mal. Comment est-ce qu'on ouvre à l'intérieur? Enfin bref. Alors. Non, on peut ouvrir tout. Enfin, bref. Alors les gens, je vais vite fait vous montrer les deux véhicules. Enfin, avec celle-là, ça fait le troisième véhicule que j'ai acheté. C'est vrai, ça coûte bonbon. Mais qu'est-ce que vous voulez faire après de ces belles petites beautés? Surtout, j'en connais deux. Bien, Evoque NTS et Ghost Rider du 83. Donc, merde, j'avais pas fait gaffe à la voiture. Bref. Alors, ben vous verrez, je vais vous montrer tout ça. Et franchement, c'est nickel. Alors, on va quand même mettre un point, ça ira trois fois plus vite. Pour ceux qui verront la vidéo, qui bien entendu likez, vous me dites si c'est bien un bon travail. Après, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'importe lequel, j'accepte, traité, enfin. Pas traité, mais voilà, parce que traité ça risque d'aller loin, et en plus je risque de vous bloquer votre compte YouTube. Enfin bref, alors voilà. Donc j'ai vu que j'ai toujours 260 abonnés. Ce n'est pas grave, je m'en fous. Le temps, c'est que je me enfin le tout, c'est que je me fais plaise à faire mes propres vidéos avec mes collègues à moi.
mes meilleurs amis aussi, qui sont évoqués à NTS et Ghost Rider 83, et aussi d'aider la gâchette. Donc là, nous sommes presque devant mon appart à 400 000 et on va rentrer net à cet appart-là et vous verrez les voitures que j'ai achetées qui sont assez sympas. Voilà, on rentre, nickel. Alors déjà, j'ai vu comme j'ai acheté celle-là, j'en ai en profité pour acheter celle-ci et pour acheter celle-ci. Voilà. Donc pour ce soir, il va y en avoir deux qui vont partir. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Et après, dans les autres garages, on verra. Sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine. On se retrouvera peut-être demain ou dans les autres jours pour améliorer ces trois voitures-là. Bye bye, c'était Bastien Bégé du 83 260 en compagnie de Evo QNTS.